Au Congo-Brazzaville, tout se passe comme chez le coiffeur, à chacun son tour, toutes les personnes qui ont commis des crimes et pris le pouvoir avec Sassou Nguesso seront sacrifiées avant que le dictateur lui-même se suicide ou meure par maladie. Nous avons appris que son homme a tout faire, son cousin des crimes le général Jean-François Ndangue est dans le coma sur le chemin d'avenir, pieds et mains liés et que Sassou Nguesso réfléchit comme annoncer cette terrible nouvelle, pour la résistance ça ne change rien, Denis Sassou Nguesso et son clan Loyaux Zapiens doivent être vaincus totalement, Alain Mabankou a dit, nul ne peut lutter contre l'éternité se suffit à elle-même, l'erreur des dictateurs c'est de croire qu'ils peuvent régler la montre, qu'ils peuvent fixer l'heure de la révolution, allons seulement, Tokandé Kaka, crise Ikelévé. Prière congolaise. Dieu Tout-Puissant. Notre dictateur Sassou Nguesso qui est au palais du peuple. Que ton nom soit maudit. Que ton règne finisse. Que ta volonté ne soit plus jamais faite à Brazzaville comme sur toute l'étendue du territoire congolais. Donne-nous aujourd'hui, Dieu le Père, la force de le chasser. Pardonne-nous de l'avoir toléré jusqu'à présent. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui l'ont voté. Et ne nous soumets plus à ces manipulations ou pseudo-dialogues qui n'aboutissent jamais. Mais délivre-nous des mains de Sassou Nguesso et son clan. Car, c'est à Sassou Nguesso qu'appartiennent la corruption, le mensonge, la division, les crimes de masse, le pillage des ressources du Congo. Que Sassou Nguesso et son clan aillent en enfer. Pour des siècles, des siècles. Amen.